que vous voyez ça, on voit qui est très percutant, qui est parle et son qui est très sage en parlant de ça, qui est très sage. Et vous avez définitivement ou décidé de sortir l'album Pau. Et première question vous-même, ça fait combien de temps que vous décidez de faire une carrière de ça? Depuis après 2007, j'ai décidé d'avancer avec la carrière musicale en solo. Pour me rendre plus flexible, pour me toucher à l'interaction de mon prochain. Et après 2007-2013, avec 6 ans, et c'est pas trop bien. Et comment vous sentez ça pour vous? Est-ce que c'est aussi facile beaucoup plus côté non groupe? Est-ce que artiste et solo à carrière solo est plus profitable pour Webeline? Bon, je crois que je dis sincèrement, décision ça, nous avons contrôlé et stratégiquement, nous beaucoup plus flexible pour nous. Et pour nous travailler en studio, pour nous travailler avec différents producteurs, pour nous bouger de différents côtés, parce que y a des grandes difficultés. Et nous avons fait face avec les groupes en groupe vraiment. C'est pas que nous pas toujours travailler en groupe parce que les groupes nous travaillons avec des bands, avec le jazz, tout ça, nous groupés, mais et en tant qu'artiste, c'est le plus facile pour nous fonctionner, pour nous produire en solo. Mais c'est pas une question de Lyon qui était en rébellion. c'était plus un Lyon qui était le bon retraite et à un groupe et puis pour nous émerger et à ce moment plus. Titre Souli et parle un petit peu de production ça et ta vie ou comment ça t'est beau. Bon, album est produit par Jimmy Rock, qui est un bon producteur haïtien que peut-être on ne peut pas connaître sous béton, mais monsieur c'est un ancien batteur Fugees, à l'époque Fugees a émergé. Et monsieur fait un travail extraordinaire sur l'album. Il n'est pas facile, c'est vrai, parce que nous avons déjà monté des sons en pile, nous travaillons dans différents studios, mais nous avons réalisé, et puis qui est produit par Kai Pai, qui est une jeune production et haïtien qui a vini tout, qui a commencé premièrement avec Rebel Lion. Et différentes musiques aussi, vous-même qui écrit toutes. Nous n'avons pas payé, malheureusement, je veux dire, nous n'avons pas découvert musique par exemple, Fort Wall et Tournage. Mm-hmm. Et il y a plusieurs titres, il y a So Grateful, il y a Otadam. Atadandem. Ça veut dire là, Otadandem. Atadandem, il dit Show Passeo. Atadandem. Yes, Show Passeo, yeah. On va voir. Et qui ça chaque titre lui dit, n'a pas les réalités de la vie, et qui ça que nous avons vu tout à l'heure. Mm-hmm. Et concept et album, ça, mission, qui est message pour estimer, qui ça que vous portez, comment c'est que vous avez ça pour, c'est sur son messager, son bagage, et là, missionnaire, mais qui ça réellement missionné à travers l'album. Et bon, à travers l'album, ça, c'est concept, Rebel Lion, que nous avons découvert à travers l'album, c'est qui véhicule des messages de l'amour universel, la paix, et ça que nous trouvons toujours à produire, et qui c'est éducation, qui c'est unité. Alors, c'est ça que nous avons découvert à travers le message, qui soit l'album, ça. Là, c'est James Severnio qui est d'ailleurs nous parle parler de nous. Mais est-ce que c'est facile yon artiste qui décide de faire musique reggae? Il n'y a pas de nous gagner Bonus Passy a fait reggae, gagner Janista, gagner Israël. Est-ce que ou même en tant qu'artiste, qui ça s'est demandé non seulement pour faire un album, pour performer, pour public qui voit comment ça y est dans les yeux et fanatique et dans les yeux monde qui pas et trop connaît et qui ça un rasta un artiste qui dans ce là. OK, bon, faut qu'on joue venir son lit et constant relié et chaque jour obligé armé ou avec courage, avec volonté. Et parce que l'on choisit le rythme reggae, qui c'est un rythme qui exprime la vérité, qui exprime un message à tout le monde qui est oppressé.
n'est pas facile parce que surtout en Haïti, parce que on pas gagne une communauté et conscient qui prêt pour consommer genre de musique ça. Mais nous-mêmes nous croyons que nous choisissons ça pour nous faire un travail positif parce que nous pensons que à travers tout ça et message ça que nous avons véhiculé, c'est pour mon temps pour nous, mon temps pour les haïtiens, peut-être même là que pour embrasser les gens de musique ça, mais c'est pour eux-mêmes que nous travaillons, message c'est pour soulager eux-mêmes. OK, alors c'est ça fait que nous-mêmes nous pensons que nous continuer la bataille, nous continuer lutter parce que c'est une lutte chaque jour et à travers la musique que nous faisons, et puis nous avons qu'un média et puis nous arriver et porter message que nous voulons porter au monde.